Nous disions donc, bonjour à vous, amis de la VOD, merci d'être là et de regarder les VOD, c'est très gentil de votre part, cœur sur vous. Donc, on replace dans le contexte parce que ça fait pas 2 heures qu'on est sur ce défi, c'est faux. Non, c'est faux. Nous jouons les défis de Dishonored, donc il y a un certain nombre de défis sur lesquels on fait différents scores. Quand on passe le score de 30 000, on a les 3 étoiles sur le défi, en fait tous les 10 000 t'as une étoile quoi, en gros. Et on a un succès qui nécessite d'avoir les 3 étoiles dans tous les défis normaux, mais aussi dans tous les défis experts. Comme un déjà vu, ouais, Catherine, ouais, c'est ça, faut refaire les trucs, faut avoir toutes les meilleurs scores, c'est un peu chiant, voilà. On a déjà réussi du coup le premier défi en normal et en difficile. On est sur le deuxième défi cambrioleur qu'on a réussi déjà en normal. Donc le principe de ce défi là, c'est qu'on est dans une maison. On a 6 œufs de Fabergé, enfin qui s'appellent les œufs mécaniques, à récupérer. Qui sont étalés, il y a 3 étages dans cette... ouais, 3 niveaux et demi sur cet endroit. Et voilà, il faut qu'on ramasse un maximum de choses en plus des œufs de Fabergé. Le niveau peut se finir quand t'as les 6 œufs, mais il y a des statues, il y a des pièces et il y a différents objets, soit scriptés, soit qui se déplacent un peu. Les pièces, elles apparaissent pas toujours au même endroit. Sachant que la particularité du mode expert, c'est qu'on n'a pas le droit au pouvoir. Ça fait plaisir. Ce qui signifie que je n'ai pas le droit de blink. Ça encore, c'est pas trop grave. J'ai pas le droit de me transformer en rat, tout ça, c'est pas très grave. Là où c'est plus grave, c'est que je n'ai pas le pouvoir qui permet de voir à travers les murs et de voir les champs de vision des ennemis. Mais ça encore, c'est pas trop grave parce que on peut apprendre par cœur leur route. Donc là, ça fait 2 heures qu'on tourne. Donc je connais un peu déjà les différentes personnes, où est-ce qu'elles vont. On peut les regarder à travers les trous de serrure pour savoir un peu s'ils sont là, s'ils sont déjà repartis, etc. On peut les entendre aussi, parce que quand t'as un personnage qui croise un autre personnage, ils parlent, sinon ils toussent, ils font un peu des bruits comme ça, donc tu sais où ils sont. Cependant, dans chaque défi, outre les poupées, donc comme je disais, la poupée je l'ai, dans chaque défi, il y a un succès spécial, et là, le succès spécial se fait que en expert, il faut trouver les 16 figurines. Et pour l'instant, j'en ai trouvé, alors que j'ai cherché un peu dans mes différents trails, j'en ai trouvé 8, je crois, donc j'ai trouvé à peu près la moitié. Combien ? Il y a 16 figurines. Je sais pas si elles sont affichées là, d'ailleurs. C'est que du fun, ce défi. Après, je suis pas obligée, comme je disais, de chercher toutes les statuettes et de les réussir en même temps que le 30 000. C'est juste que je me dis, quitte à tourner, autant regarder. Et en fait, en vrai de vrai, on va rejouer le défi, mais je vais faire un truc. Je vais augmenter un peu la luminosité, parce qu'en fait, on n'y voit rien. Ah, mais en plus, dites-vous, ils disent le symbole le plus sombre doit être à peine visible. Et autant sur le retour, effectivement, c'est le cas, autant moi, sur mon écran, parce que j'ai aussi la fenêtre qui est ouverte, à peine visible, c'est plus là. Donc on va augmenter ça. Alors, autre particularité, mais ça, c'était la même que dans le défi normal. Si je me fais repérer 3 fois, c'est le défi est foutu. Donc là, et on marque donc des points en fonction de ce qu'on ramasse. Mais on a des bonus si il y a des gens qui ne sont pas assommés. Donc en fait, bon, déjà ça s'est loupé. C'est pas bien grave. Donc c'est pas dans notre intérêt de juste avancer, assommer tout le monde et de faire notre vie. Le but, c'est vraiment de les laisser faire leur ronde et de récupérer un maximum d'argent dans leur dos, et en fait littéralement dans leur dos, parce que le seul endroit où t'es sûr qu'ils vont pas te voir, c'est si t'es derrière eux en fait. Donc le but, c'est de marcher à petits pas juste derrière eux. Bonjour Monsieur Ours. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue pour le défi expert du cambriolage. Un cambriolite. Allez, c'est parti. Alors, donc on disait... Ah ouais, mais ça va mieux tout de suite depuis que j'ai monté la luminosité. On les voit. Ça, c'était dans le noir complet tout à l'heure. Je l'avais absolument pas vu. Ah bah, ça va aller mieux tout de suite. Donc, une ici. Il y en a une là derrière. Ça fait 2. Là, il y a le... Bon, ça, je vais pas le relire. Et après, du coup, t'as les trucs, tu vois, tu peux faire du bruit.
Là, il n'y a rien. Oups. Ok. Zébardi. Toujours nickel le week-end. Ah. Moi, je suis contente parce que... Ah non, pourquoi je fais ça, moi? Là, il y en a un, normalement, qui devrait passer par là. À moins que je l'ai loupé. Moi, c'est les vacances, donc du coup, je suis contente. Vous voyez qu'il y a un total de 3500 valeurs monétaires à ramasser. Plus ou moins dispatchées, parce que tu as des pièces de 1, des pièces de 5. Mais tu as aussi des portraits qui valent 800, donc c'est assez... C'est assez divers. Donc voilà, lui, on va attendre qu'il passe. Voilà. On va lui piquer ce qu'il y a dans ses poches. Ah! Salut toi! On va. Dis-moi ce que tu ferais si Slagjo et ses gars de Bottle Street s'attrapaient. Pas maintenant. Oh là là, attendez. Le loop est changé. Il tournait pas comme ça tout à l'heure. Bon, on va se démerder, c'est pas grave, mais... Oh bah ça va mieux avec la luminosité, n'empêche. Ok, là je vais attendre que lui il fasse demi-tour, je vais en profiter pour piquer sa clé. Parce que maintenant il y a aussi la particularité que certains coffres, certaines portes sont fermées. Ah putain, c'est ce que je craignais, en fait le... J'ai l'impression que la route... Alors, soit c'est moi qui me suis trop promenée, soit la rotation a changé, et du coup, c'est un peu dommage, parce que... Je respecte jamais la luminosité conseillée, c'est toujours trop sombre. Ouais, c'est ça dépend un peu des... De tout, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je vais là, moi? J'aime bien ma route. Non mais voilà, je l'ai grandement augmenté. Merde. Et en vrai, parce qu'en fait, je l'ai surtout augmenté rapport au fait qu'il y a plusieurs statuettes que j'avais trouvées, mais parce que vraiment, ça s'était affiché, genre ramassé en plein milieu de mon écran et que je voyais pas ce que je ramassais. Et que je me suis dit, ouais, non mais quand même, si... Parce que même en ayant la boîte de dialogue, c'était statuette noire sur fond noir, on voyait rien. Et non, j'ai pas non plus envie de chercher à tâtons pour le plaisir de chercher à tâtons et d'aller cliquer dans tous les coins sombres pour essayer de tomber dessus. Néanmoins, j'en ai quand même trouvé 8. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Alors, donc du coup, il y en a une ici. Il y en a. Là, il est sous. Merde. J'ai loupé la deuxième, hein, d'ailleurs. C'est pas grave, parce que je vais repasser devant, mais... On va voir si je vais réussir à... Oui, l'autre, elle est là. À récupérer mon loop de tout à l'heure. Des fois, ça arrive de devoir pousser la luminosité. Après, je te dirais, pour Amnesia, par exemple, je trouvais le jeu trop sombre... du coup, j'ai monté beaucoup la luminosité quand j'ai fait le jeu, et au final, ça me desservait rapport au gameplay parce que le personnage était censé devenir un peu fou quand il était dans l'obscurité. Et en fait, souvent il devenait fou alors que moi j'y voyais très bien, tu vois. Donc du coup, ça allait pas trop ensemble. Juste que le noir reste noir, donc ne devienne pas gris. Ça dépend des écrans, oui, oui. Puis comme je disais, un peu de l'éclairage, là, c'est parce que la fenêtre est ouverte, donc du coup, je suis très vite éblouie. Là, par contre, j'ai un souci. J'ai un souci, c'est que ma rotation n'est plus la même que dans la partie d'avant. Du coup, ça fait chier, mais c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, je savais que lui, au moment où il rentrait dans la pièce, dans la pièce suivante, je veux dire, c'est ici que j'en ai trouvé une, c'est ça. Je me rappelais que c'était dans un des meubles. Mais l'autre, ah bah tu vois, l'autre il est là-bas en fait. Donc à la limite, c'est pas un problème. Je vais aller ici, ici. Et le truc c'est que.
Faut pas qu'il refasse demi-tour, quoi. C'est juste ça. Ça va. Ok. Est-ce qu'il est là en train de fumer? Oui. Ça, ça va. En fait, ils font la même ronde, hein, chacun, mais c'est juste qu'ils font pas la même ronde l'un par rapport à l'autre, par rapport à là où je me suis entraîné juste avant. Mais c'est pas grave. Je vais attendre qu'il ait fini de fumer, je vais retourner dans son dos, comme ça je vais pouvoir faire le même tour que lui. Ah, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, par contre. Un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que c'est l'autre qui a la clé. Et du coup, par rapport au loop... C'est une croûte, si tu veux mon avis. Ah bah voilà. Attends, bouge pas. Ok, c'est bon, j'ai récupéré la clé parce que je vais en avoir besoin. Donc, Izuke. Alors, de l'argent. Et là, on va voir si on va bien la voir, la statuette. Bah, tu vois, on la voit pas non plus de fou, hein. Ça va que je sais qu'elle est là, hein. Mais je sais qu'elle est là parce que, au pif. Ok. Alors, où est-ce qu'on se situe par rapport à ce gars-là? Je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Je vais aller dehors. Et je vais pleurer. Je vais pleurer. Toujours moi. Les autres. Les choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent groomer quand même? J'ai jamais vu quelqu'un qui groome comme ça. Ok, j'en profite hein, maintenant que j'y vois. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres... D'autres pélos. Ok. Ok. Ok, ok. Donc là, je suis à... 5. Bon, je le risque, mais il y a une chance qu'il me voit. Non, c'est ok. Ok, ok. Donc là... Faut pas que j'oublie que quand j'aurai la clé, je pourrais déverrouiller la vitrine et du coup, je serais pas obligée de... Voilà. Alors, lui devrait théoriquement venir ici, puis repartir. Dans le même temps, il y en a un qui va venir ici, qui va rentrer là, et en fait, il fait le tour de là-bas et il revient ici. Donc là, faut que je fasse gaffe parce que lui peut m'embêter. T'as vu d'autres groupes de rats ? Ah, je crois qu'il est là-dedans, du coup il doit être en train de parler, lui, avec... Non, j'ai une connerie. Ça doit être celui d'en dessous. Ça doit être les deux d'en bas qui discutent, en fait. À la réflexion. Je me demande si on remarquerait son absence. Donc là, c'est au choix. Soit il y a lui qui arrive, mais je pense que c'est lui qui va partir en premier. Comme ça, je pourrais aller dans cette pièce. Ouais, lui, il est là. Juste qu'il... Merde, il m'a vu. Merde, ils m'ont vu. Non, attendez, je recommence parce que... Je perds des points si je suis repéré. C'est pas bien grave. C'est pas dramatique. Il faut juste qu'on réapprenne la nouvelle route. Parce que forcément, comme j'ai toujours fait recommencer le défi... Les rondes étaient synchronisées d'une certaine manière. C'est plus le cas maintenant. Ce petit saut là, il est quand même pas facile. Régulièrement, je tombe. Ok. Je ferme la porte pour les courants d'air. Et c'est parti. Donc là, je suis à peu près à 200 points par itération ramassée. Environ. Je pense que c'est le score maximum. Oups. Si tout le monde est réveillé, on va dire. Hop. Plus ta somme de gens et moins tu marques de points, malheureusement. Que Maurus s'est fait lyncher par les superviseurs pour des histoires de magie noire. Ce qui est Maurus.
On va lui faire une poche. Moi, les autres. J'en ai une chaude. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. Toujours moi. Les autres. J'en ai une chaude. Toujours moi qui m'y colle, j'en ai marre. Ah, j'ai oublié là. J'ai oublié un truc. Est-ce que j'ai ramassé la statuette qui est là ou pas? Le truc, c'est que je crois. Non, ça va. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont recalés. C'est possible? Hein? Mais non, mais comment ça? Mais comment tu m'as vu? Ah oui, mais il était de l'autre côté. Attends, mais il s'est passé tant de temps que ça? Ça va aller, vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude. La dernière fois que j'ai eu un. Bah, où j'ai quasiment été au bout. Au final, je suis morte, hein, mais parce que je bourrais un peu, j'avoue. La dernière fois où je suis pas passée loin de réussir, j'étais montée à 27 000 points, je crois. Un truc comme ça. 27 400, je crois que c'était exactement. Hop là. Et voilà. Donc, on reprend. One. Two. Que je regarde, c'est pas la bonne porte. Je me suis trompée. Salut. Là, on va attendre lui. Aïe, 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 aïe. Ça, j'avoue que ça me chafouine un peu. C'est pas bien grave. Mais ça me chafouine un peu. Et encore, là, c'est les défis fufu. C'est à peu près ce en quoi j'excelle, même si, effectivement, d'habitude, j'utilise quand même beaucoup le pouvoir de voir à travers les murs. En tout cas, dans les espaces très confinés comme celui-ci. Souvent, c'est le cas. Est-ce que je t'ai parlé de la fois où j'ai failli attraper celui qui avait tué l'impératrice? Il répond même plus à son collègue. Mais ouais, quand on va avoir les défis bagarres, c'est moins mon dada déjà. Encore que le défi bagarre, je pense que je le crains moins que les défis faire des enchaînements de certaines techniques, tout ça. Mais bon, faut voir après. Peut-être que ça va. Peut-être que ça ira. Il est où lui? Non, je peux pas dire que j'aime. Mais qu'est-ce qu'il glande? Mais il est où? Ok, bah alors à ce moment-là. Oui, c'est ça que j'avais fait tout à l'heure. C'est ça que j'avais fait dans ma nouvelle ronde, effectivement. J'attends lui, et en fait, entre-temps, l'autre, il arrive. Et il me voit pas, et il regarde le tableau. C'est sûrement cher. Et là, à ce moment-là, je peux lui prendre ça. Et on est just in time pour celui-ci. Ok. Faut que je retienne. Ensuite, de l'argent. Là, il y en a une là.
4. Avec ça, ça fait 5. Là, il y a de l'argent. Lui, il est là. Je pense qu'une fois qu'il a fait demi-tour, je peux récupérer tous les œufs. Hey, tu me devais pas un verre ? Nouvelle nuit, nouvelle patrouille avec toi. Ok. Ok. Hop. Le sextant. Je crois que lui. Ok. Ok, là faut juste que je puisse monter, je pense qu'on sera bien. Ça va beaucoup dépendre de lui là. S'il veut bien partir au moment où je veux qu'il parte. Voilà, genre là. Mais c'est une blague ! C'est une blague ! Ok. Donc je saurai que quand je reviens dans le hall principal, c'est pas la peine que j'y aille. Ok, tant pis. J'avais jamais jeté un œil au défi de ce DLC. Lorsque je l'avais fait sur 360, j'ai juste lu un tas de chasseurs pestés dessus. Ah, sur ce défi en particulier ? Bon, après... Bon, je suis qu'à mon deuxième défi, forcément, et je suis déjà en expert. Mais globalement, je trouve que pour l'instant, ça va. Ah, sur les défis en général. Mais je sais que Kayoche m'en avait déjà parlé. Mais pour l'instant, même si là, évidemment, je suis en galère, bien entendu, je trouve que ça va, hein, fondamentalement, je trouve que ça va. Alors... One. Two. Promis, on va sortir du premier étage un jour. On va voir, mais ouais, je te dis, il y a les défis où il faudra faire des enchaînements, ça m'inquiète un peu. Je sais pas exactement ce que ça va être, mais ça laisse pressentir un truc dans le style enchaîner plein d'ennemis avec un temps entre chaque kill et en plus, faut les tuer de toutes les manières possibles. Enfin, ce genre de conneries, donc bon. Autant vous dire que moi qui ai joué Fufu dans l'étal, j'espère que ça va pas l'attirer le bruit. Enfin, ça va. Ok, donc du coup là, on a dit qu'une fois qu'on en est là, j'attends que lui il parte et je suis celui qui est là-bas immédiatement. Non, c'est pas ça? Que du bonheur, ouais. Bah on va voir, on va voir. Après, il y a des intitulés qui font plaisir. Par exemple, il y en a un où c'est le défi qui s'appelle Un train d'enfer. Et il faut arriver à destination avant que... Ah oui, il faut que je ramasse ça. Avant que le train n'arrive à destination, un truc comme ça, donc... J'ai entendu un bruit, mais bon. Je vais attendre que lui, il ait fini de fumer. Il y a des trucs sur le principe, ça vend du rêve. Après, peut-être que dans les fêtes, ça va être chiant. Ok, lui va repartir, et elle est repartie tout droit, super. Parce que des fois, il fait des loops, il se promène, il se balade. Mais il a raison. Hop, hop. Figurine, c'est la 3. Comment ça, c'est la 3? Putain, j'en ai oublié une. Ça doit être celle de la cuisine. J'ai oublié celle de la cuisine. Arrête de laguer, s'il te plaît. Je fais tellement plus attention au score pour l'instant. J'ai vu son ombre là, j'ai eu peur. J'ai flippé. La chocotte la pétoche. Ok.
Comme tu dis, mon gars, tout pareil que toi. Étirement, et cervical, c'est important. Et ici, donc ici, il n'y a personne qui vient de toute façon, donc c'est ok. Ça, j'avais récupéré. Hein. Ouais. C'est bien celui de la cuisine qui m'embête. Je vais attendre après lui et je vais le suivre lui. Et on verra. J'aimais mieux ma route de tout à l'heure. Donc là, ils se sont parlé, donc c'est qu'ils sont les deux dans la pièce principale. Putain, la pièce principale, j'ai oublié un œuf de Fabergé dedans. C'est passé, hein, il m'a pas vu. Hein. Pour moi, les autres, j'en ai une chose. Hop. Le problème, c'est que là, je pense que au niveau de mon cycle, je suis niqué. Je pense que je suis niqué. Ah, quoique. Ouais, si. Hein. C'était quoi? Ouais, je suis complètement. Ok, je vais tenter un truc. Je vais essayer de relancer le défi. Cambriolage. Expire. Je vais voir si j'ai plus de chance. J'ai quand même envie de réussir au moins un défi aujourd'hui, quoi. Pitié. S'il vous plaît. Ah déjà ça a changé un peu les lignes de dialogue. Moi j'aime autant les entendre chanter que les entendre râler. C'est mieux pour le moral. Laisse parti. Et c'est là que les statuettes vont avoir changé de place. Non ça va. Une. Deux. L'impression de Sea of Thieves. Tellement. Oh là là, qu'est-ce qu'on a rigolé sur Sea of Thieves. On a commencé à y jouer avec Gab et avec mon frère. Et qu'est-ce qu'on s'est marré. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Oh là là. On a fait l'extension Monkey Island du coup. Et il y a un passage. Alors pour l'instant, il n'y a que un tiers de la fable qui est sortie. Mais il y a un passage en particulier. Je vous jure que c'est vrai. Bon. Après, j'étais fatiguée, il était 23h30, j'avais bossé toute la journée, j'étais crevée, tout ça, mais... J'étais vraiment en train de pleurer de rire. J'en pouvais plus. Le jeu est incroyable avec les imprévus apportés par le monde ouvert. Ouais, après, je pense que c'est plus sympa d'y jouer à plusieurs. J'avais fait une petite... je me suis dit, je vais lancer une petite quête FedEx. Encore à cause de cette partie de dés, lâche-moi. J'avais fait une petite quête FedEx toute seule, et vraiment, même une quête FedEx, qu'est-ce que c'est long. Déjà, dans la première fable, tu avais un easter egg sur Monkey Island. Comment ça? Mais déjà, moi qui connais un peu Monkey Island, sans forcément être une grande experte de l'univers, qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai vu... Bah, certains personnages qu'on connaissait, certains éléments qu'on connaissait, c'était très drôle. Je vais se découvrir. Bah, je pense pas qu'on va la refaire, la fable, alors c'est pour ça. Mais c'est peut-être un truc qu'on a vu et je savais pas que c'était un easter egg aussi. C'était quoi, une action spéciale à faire ou... Un lieu? Je
je... Ouais, ça me dit rien, mais je suis pas sûre qu'on va la refaire. En vrai, tu peux me spoiler, moi ça me gêne pas. Ça m'étonnerait qu'on la refasse, d'autant qu'on se l'est déjà faite deux fois, parce que... La première fois, on n'a pas fini la quête, on a dû reprendre du début. Je pense pas qu'on se la reconnaîtra une troisième fois. La première fois, tu as l'épreuve du bateau de Guybrush avec la reprise du thème musical. Ah, tu as l'épave du bateau de... D'accord. Alors après, moi, le truc, c'est que, si tu veux, je connais de très très loin les premiers, mais je les ai pas faits, et je connais que Tales from Monkey Island. C'est pour ça que le fait qu'il y ait Murray, par exemple, ça va, c'est un personnage que je connaissais. Il m'a pourvu, ça va. Du coup, le thème musical, c'est vrai que je le connais pas plus que ça. Je t'avouerai. C'est sûr. Je pense que je vais quand même me remettre là. Essayer de refaire mon petit loop. Mais faut que je les fasse en vrai, les Monkey Island, parce que. Je pense que j'ai la logique. Je pense que j'ai vraiment la logique Monkey Island en fait. Parce que j'avais regardé vite fait, au pif, hein, complètement au pif, une vidéo de Let's Play, mais paumée en plein milieu d'une aventure de Bob Lennon et Benzaï qui jouent à un des Monkey Island, je sais plus. Et vraiment, il y avait une histoire de. Il fallait que tu aies une boussole. Et d'instinct, ça m'était venu qu'il fallait faire la boussole en mettant l'aimant sur l'aiguille, ça me paraissait logique. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air un peu capillotracté. Un groupe de rats, il me fera toujours rire. Il m'a pas vu. Oh la chance. Il était toujours Yo. Pourquoi? Toujours moi. Je me demande si on remarquerait son absence. Toujours la même chose. Toujours moi qui me. Et puis l'histoire de, il fallait, oui, puis il y avait une histoire qu'il fallait qu'il monte en haut d'un moulin. Et le premier truc qui m'est venu, c'est bah faut utiliser le parapluie, bien sûr. Ça n'a aucune logique, hein, mais bah si, enfin une logique un peu cartoon, je pense. Les Tales from Monkey Island, ils sont moins capillotractés que les autres. Ouais, je sais pas, moi ça m'avait paru un peu logique quand même à l'époque. Ok. On va essayer de croire en l'âme des cartes, ok? Déjà, je vais pas me faire U, pas cette fois. Je vais attendre que lui y passe. Non, en vrai, ça peut passer. Prends la clé. Hop là. Ni vu ni connu. J'ai bien fermé la porte. J'ai bien fermé la porte. Ok. Cool. On est arrivé au deuxième étage. C'est super. Donc là, il y a une statuette qu'on voit quand même pas beaucoup, mais qu'on voit tout de suite un peu mieux quand même. Argent. On a dépassé les 10 000. Félicitations. Bravo à tous. Tu as trouvé Grim Fandango ou Days of the Tentacle logique? Ouais. Ouais. En vrai, ouais. Parce que Grim Fandango, le seul moment où je me souviens en avoir vraiment chié, c'était un endroit, mais c'était à cause de la méthode de déplacement, où j'avais pas vu qu'il y avait un coin de truc où il fallait rentrer... Je sais plus comment c'était foutu, mais il y a un moment donné, en me déplaçant... Je me dis, ah mais en fait dans cette pièce il y avait genre un recoin où, dans lequel tu pouvais aller. Et vraiment sur l'écran d'avant j'avais pas du tout tilté que ça allait être un endroit dans lequel on pouvait aller, donc je m'y étais jamais dirigée. Et Day of the Tentacle, vraiment j'avais... ça s'était plutôt bien passé. Bon, il y a des fois j'avais un peu tourné parce que je savais jamais trop qu'est-ce qui... Ouh là là.
He's ok. Sauf que là, je crois qu'il va y passer 10 ans, là, derrière. Mais il va peut-être y passer 2 minutes. Ou il va peut-être y passer 30 secondes, donc je sais pas, on va attendre. Non, ouais. Après, je les ai fait il y a longtemps. Ça se trouve, j'en ai chié sur le moment et j'ai oublié que j'en ai chié. Ça m'arrive des fois. Et après, je me dis, oh, faudrait que je rejoue à ce jeu, c'est vrai qu'il était pas si difficile, puis quand j'y rejoue, je fais... Quoique souvent, c'est plutôt l'inverse. J'en ai un souvenir où c'était dur, et en reprenant, je me dis, oh, bah non, en fait, ça va. Bon, là, on va attendre que lui revienne. On va le laisser faire sa ronde. Quand il sort de la pièce, on en profite, on vide la pièce. Est-ce que l'état de la ville peut encore empirer ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc lui, il faut que j'en profite pour prendre la clé. Ici, statue. Ok. Lui, théoriquement, il ne fait que fumer. Il se retourne jamais. Ok. Là, faut quand même que je ferme ça pour être tranquille. Par contre, je pense qu'il manque des figurines par ici. Je pense que j'ai pas tout trouvé. Vraiment. Ah oui, la clé, c'est important. Là, je vais vraiment Kingdom Rusher par ici. Ah oui, il y en avait une là. C'était la 8. Hop. Là, il va y avoir le code que je ne connais pas encore. 1, 9. Là, par contre, je suis un peu emmerdée. Putain, si l'autre est dans mon dos, c'est la merde. Si l'autre est dans mon dos, c'est la merde. Ok. Oh, j'ai eu peur. Salut à tort. Salut, toujours sur le défi, ouais, toujours sur ce défi. Tout à fait. Je revérifie là qu'il n'y a pas un truc planqué ici, mais ça m'étonnerait. Ici, ce serait bâtard parce que tu peux pas y revenir dans cet écran-là exactement. Et ça, non, ça c'est un bug de texture. Ok. Into, le code. 6, 3, 1. Droit. 6-3-1. Je sens qu'à un moment, je vais repartir lurquer également. Baldur's Gate 4, 3 est sorti. Non mais, je le redis, il n'y a pas de problème à ce que vous lurquiez, il n'y a pas de problème à ce que vous quittiez le stream parce que vous avez plus... Voilà. Il n'y a absolument aucun problème, les amis. Aucun. Je fais moi-même ça sur les lives. Je m'en voudrais de vous jeter la pierre, de faire ça. Et en vrai, si vous lurquez, eh bien merci beaucoup. Parce que... Merde. Parce que c'est grâce à vous que je ne m'en veux pas de streamer pour personne quand il n'y a personne qui parle et de parler tout seul. Voilà. Concrètement. Salut Carole, lapin à toi aussi. Oh, putain. Hein? Non mais... Mais putain, mais comment tu fais pour me voir alors que d'habitude tu ne vois rien? Mais je pense qu'il est un peu alerte maintenant. Toujours moi qui m'y cause.
Mais en fait, la prochaine fois, il faudra peut-être d'abord que je monte un escalier et après je fasse mon tour ici. Hein. Ce serait peut-être plus intelligent. Hein. Redis-moi ce que tu ferais si Slack Joe et ses gars de Bottle Street t'attrapaient. Quel imbécile. Parce que le problème, c'est que là, si j'y vais, je pense qu'il va se retourner très vite. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, voilà. Encerclons-le ! Bon, on va partir du principe qu'on va laisser l'alerte. Parce que j'ai déjà pas mal de points. Qu'est-ce qu'il balance, lui ? Vous allez saigner. Mais comment il sait que je suis là, lui ? Bon, je pense que lui... Oula. Mais t'as vu que lui, il n'y a rien à faire. Lui, il fait dodo. Il me faut plus d'un. Oh merde, non mais pitié quoi. Ouais. Bon. Ah, non mais c'est la merde. Non là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je ne peux pas me permettre d'assommer trois personnes, c'est pas possible. Je vais procéder différemment. Je vais procéder différemment. C'était saut close. Ouais, mais attends, il me restait encore tout le dernier étage à faire. Hein. La dernière fois, j'avais réussi à tout faire sans ça. Et au dernier étage, je me suis fait repérer aussi. Donc, c'est pas très grave. Parce que, en soi, par rapport aux 2 heures de trail que j'ai fait en début de live, et là, on en est déjà à 3. Bon, on est plus à 2h30 parce que j'avais beaucoup discuté quand même. Mais bon. One. Two. Après, je les compte plus. Après, je ne les compte plus. Faut que j'apprenne les nouvelles rotations. C'est juste ça. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps de bien appréhender tout. De savoir qui va où, comment, quoi. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Tout ça, tout ça. C'est Stilgar from Dune. Hello Elurk Power. Merci beaucoup à vous. Vous savez, de temps en temps, juste savoir qu'il y a des pseudos que je connais pas mais qui me disent je lurk, eh bien, ça me fait du baume au cœur, vraiment. Merci beaucoup à vous. Alors, on y va. Déjà sur cette rotation, sur cette partie-là, parce que à chaque fois que je mets recommencer le défi, la rotation est quand même conservée. Et ça, c'est cool. Alors, Jacques Moineau, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Dibo, salut à toi. Bienvenue, bienvenue. Nous jouons à Dishonored. Est-ce que je peux avoir un SO pour Jacques Moineau, s'il vous plaît? Je suis un peu concentré. Le pickpocketing bat son plein. Hop. Hop. Là, y a pas de sou. À quoi jouais-tu de beau? Alors lui, il fume toujours, mais il devrait pas tarder à repartir, je pense. Ça fait un petit moment qu'il est rentré dans cette pièce. Allez, chouchou. On y va, c'est maintenant. Voilà. Un incendie, ça c'est bien pour couvrir ses traces. Donc maintenant je suis à 3 statuettes. Enroulées dans du jambon. 3 statuettes. Tu as quel niveau de jeu? Je suis en train de chasser les succès. Et j'ai fait tous les succès du jeu normal à l'exception... Alors bon, du NLG, mais techniquement je l'ai fait, c'est juste que j'ai eu un bug, ça s'est pas validé, mais bon, tant pis. Et les défis, je m'y tâte tout juste. Là, je suis sur le mode expert du cambriolage, c'est le deuxième défi que je tente, parce que je l'ai fait dans l'ordre, tout simplement.
Alors, Zébardi. J'ai quand même réussi à faire un 27 000 tout à l'heure sur 30 000 qui était nécessaire. Et ça s'est... En fait, ça s'est juste pas passé parce que j'ai fait une alerte à l'étage et j'ai dû assommer tout le monde. Et voilà. À quoi jouais-tu de beau, Jacques Moineau? Ok. Ok. Non! Oh la boulette! Oh la boulette! Non, ça va. Évolante 2. Oh! J'ai pas fait le 2, mais le premier était très sympa. C'est quoi, une découverte du speedrun? Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ça va. Tu viens de le finir. Ok. Découverte et 100%. Ah, ça c'est bien joué ça. Mais non, mais tu peux pas savoir. Je suis super bien planqué. Ma rotation n'est pas bonne. Hein. Ok, il est reparti. Problème. Problème annexe. Et voilà. Et mon problème vient de passer par la porte. Et voilà. Je m'en doutais que le temps perdu ne serait jamais rattrapé. C'est pas grave. On y retourne. J'ai l'impression que j'ai plus de mal à passer le premier étage que le deuxième. Curieusement. Rappelez-moi, avant d'attaquer le deuxième étage, d'aller chercher directement la combinaison du coffre. Il est beaucoup mieux que le 1. D'accord. Oh, le 1, j'avais déjà bien aimé. Faudrait que je le fasse à l'occasion, mais il y a tellement de jeux à faire. Le backlog est déjà tellement rempli. Allez, on est reparti. Vous allez me voir beaucoup réessayer, d'ailleurs ça fait 3 heures que je réessaye. Hein. One, two, et j'arrête de compter là. Et après je suis tellement concentrée sur le reste. Alors, y a pas de sous, y a pas de sous, là il y a les sous. Moi. Hop. Bonjour. Les petites pièces. Oh, les petites pièces. La menu monnaie. Le 2, il est carrément mieux. Ah. Bah ouais, faudra que je le teste à l'occasion. Le 1, c'est jamais qu'un prototype de Game Jam. C'est possible que ce soit un prototype de Game Jam sur lequel ils aient donné un coup de polish, ouais. C'était un peu le même style avec Super Hexagone, par exemple. Ou le 1 sur Steam, techniquement, c'est plus le prototype de Game Jam, mais juste avec un petit coup de polish dessus. Oh non, mais c'est ma faute. Non, c'est moi, je me suis emballée, j'ai ouvert la porte trop vite. C'est le début du jeu. C'est ma faute, c'est le début du jeu. Je l'ai tellement refait que j'ai envie de le rusher. C'est pas grave. Si on doit encore en être là pour 4 heures, on en sera là pour 4 heures, hein, je vous rassure. Hein. Mais franchement, le défi normal, il était sorti comme sur des roulettes. Hein. Après, je suis pas forcément fan, et c'est un petit peu le reproche que j'avais à faire au DLC aussi de Dishonored. Je suis pas forcément fan des espaces très ramassés comme ceux-là. Dans le sens où dans le jeu normal, tu as des espaces qui sont très ouverts, avec pas mal de gens très dispersés. Et t'as vraiment la possibilité de passer par les étages, de passer par un peu partout en fait, mais sans forcément tomber nez à nez avec quelqu'un à tous les coins de rue quoi. Je sais pas si je me fais bien compris. Mais ici vous voyez c'est une petite maison et ils sont 8 ou 9 gars dedans. Il y en a 2 ici, après il y en a 3 et après il y en a 3 ou 4 en haut. Déjà fatigué ? Quel imbécile. Donc du coup, ouais. C'est compliqué si tu veux éviter tout le monde. Ça et le fait que bien sûr tu n'as pas le blink et tu n'as pas ces trucs-là et tu peux pas les assommer. Enfin, je pourrais, mais... À moi la bourse, ça fait 3, une petite pièce. Qu'est-ce qu'il fout, hein? Alors.
Allez. Hop hop hop. À moi. À moi. À moi. Tout ça c'est pour moi. J'aime 4600. Je pense que si t'assommes personne et que tu ramasses tout, quasiment tout, ça va. En vrai, je pense que ça passe. Par rapport à tout à l'heure, ouais, j'avais quand même assommé 3-4 personnes. Je pense que c'est ça qui m'a mis dedans. Mais sinon, j'avais encore des trucs que j'avais pas ramassés. Et que j'aurais pu ramasser. Genre la carte à l'extérieur, les gardes à l'extérieur ont peut-être des bourses sur eux aussi que j'aurais pu récupérer. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, je pense. Alors, une figurine, ça fait 5, 4 et 5 avec celle-là. Hop. Hop là. Les petites pièces. C'est là. On se pose la question. Lui, il arrive, ok. Je crois que j'ai vérifié dans ce run-là. On a le temps. Qu'il reparte. Par contre, je crois qu'il va au bout et il revient direct. Allez, chouchou, on y va. Entraîne-toi à marcher comme une Miss France. Ouais, tu fais ça bien. Ok. À moi, le sextant. Hop! Ça, c'est bon. Cet étage-là, il est clear. Maintenant, il faut que j'arrive à monter. Mais ça devrait aller. Je suis pas inquiète. On va attendre que lui y passe, on va le suivre. Après, le temps qu'il refume une clope et tout ça, on a le temps de monter. Et du coup, alors, une fois que j'ai monté l'escalier, je monte le deuxième escalier, je vais chercher le code. Je prends la statuette, ça fait 6. En fait, je fais le demi-palier. Et après, je redescends. Et comme ça, j'ai juste à faire une rotation. Je récupère le coffre, je récupère tout. Et comme ça, une fois que je suis sortie de ça... Ouais. Il y aura toujours un petit peu une incertitude d'arriver à m'en sortir, mais au moins, même si je fais une alerte, c'est pas grave. Putain, j'y crois pas. Oh, ça fait chier. C'est pas considéré comme une alerte, hein, ceci dit. Mais il est quand même passé à 3... À 3 loupiotes. Je vais vous trouver. Ça fait chier. Oh non, c'est dommage, purée. Je suis juste passé trop près d'un verre, il a éclaté. Bon, ça va peut-être leur passer, non? Ou c'est trop tard, ils sont alertés. Je vais vous faire sortir. Le problème, c'est que s'ils sont très énervés, ils risquent de pas reprendre leur rotation. Dis-le-moi si tu veux prendre mon tour de garde. Ah, ça va. On dirait qu'ils sont passés à autre chose. Je pense qu'ils vont reprendre la rotation. Ça va. Ils ont plus trop l'air de me chercher. J'aurais peut-être pas de points bonus à la fin. Mais je sais même pas s'il y a vraiment des points bonus ou si c'est juste de la statistique, en fait. Je viens d'en avoir passé un, là-bas. Je crois que je l'ai effectivement vu passer. Il a dû partir fumer. Il y a un rôdeur en liberté. Ah. Ok, bon, écoutez, c'est passé quand même, hein, malgré tout. Alors, je peux pas dire que j'aime.
Là, je vais Kingdom Rusher complètement. Ok. Je suis vraiment partie du principe que, comme je l'avais vu passer, salut Néo. Ok. Tissamine la plus belle. Et le régent poubelle. Alors, 15 et 6. 1, 5, 6. Et vous, plus Coupe du Monde de foot. Non, mais il n'y a aucun souci. Alors là, ce qu'il y a, c'est que... Est-ce que je le risque ou pas? Allez, je le risque. Je le risque. Allez. Pas vu, pas pris. 1, 5, 6. Ça, c'est pour la fin de la rotation. Ouh. Ah, ça fait des petits guillots au ventre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, probablement non. Mais... Et la statue numéro 6. C'est juste. Il y a la 7e dans le secrétaire à côté du coffre fermé. Il y en avait une à côté du coffre-fort aussi. Ce qui fait 8. Ok. Lui, je retourne dans l'escalier. J'attends celui qui fait ses rondes. Je le suis. Je pleure. Est-ce que je t'ai parlé de la fois où j'ai failli attraper celui qui avait tué l'impératrice? Nouvelle nuit, nouvelle patrouille avec toi. Bon, là, pour le coup, cet échange-là, je vous disais, les réponses à chaque fois changent. Et là, j'avoue que celui-là, c'était pas le meilleur. Hein. Ah putain, il est en train de... Oh là là, Il faut vite qu'il change de place, lui. Hein. Ah. Non, c'est foutu. Ok, lui, il est reparti. Mais lui, il me regarde. Putain. Ah, merde. Ça m'arrange pas, ça. Ça ne m'arrange pas, les copains. Ça m'arrange pas du tout. Je vais attendre. Je vais attendre le prochain loop. Je veux juste être sûr. Si je me mets là, je pense qu'il me verra pas. Pour l'instant, la bonne rotation que j'avais, c'était vraiment de suivre... Le gars qui passe par la porte bleue est peut-être juste dans son dos, et c'est pas grave parce que même s'il s'arrête, le temps qu'il fasse son tour pour s'arrêter à la cheminée, j'ai le temps de passer. C'est sûrement cher. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup dépendre de lui. Parce que s'il me fait face au moment où je veux passer, ça va être compliqué. Purée, il m'énerve quand il fait ça à lui. Il vient, il ouvre la porte et il se barre. Il m'agace. Il laisse toutes les portes ouvertes, il m'agace. Bon, au moins j'ai le code. C'était quoi? C'était 156 le code, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ou 165. Je crois que c'est 156. Bon, on testera, on verra bien. Ah, il m'a vu. Ah bah voilà, punaise de crotte de bite. Oh mais là les gars, faites un effort s'il vous plaît. Non mais ça c'était fait exprès, parce que j'avais oublié le code. C'est pour ça. C'est totalement fait exprès. Ceci étant, si je peux avoir du Genki Dama dans le chat, je ne dis pas non.
Là, le défi commence à me donner du fil à retordre. En vrai, il y aurait un ou deux pélos en moins. Je pense que la difficulté serait parfaite. Bon, après, c'est la difficulté expert. Hein. Faut quand même que... qu'il y ait un peu de défi, quoi. Après, on a eu plein d'emmerdes. Hein. Il y a des verres qui explosent. En tout cas, aujourd'hui, je n'arrête pas tant que je n'ai pas passé ce défi. C'est dit, c'est acté, on revient pas dessus. On va au bout. Dussions-nous y passer encore 2 heures, ce qui sera probablement le cas. Allez, Minou. Eh bien. Brave petit. Pourquoi ? Toujours moi. J'aime les autres. J'aurais une chose. Après, les uniformes, c'est stylé. Hop, je vais en profiter, je vais prendre ça. Hein. Tant qu'à y être. C'est sûrement cher. Sinon, l'autre option, c'est de vérifier, c'est de compter. C'est d'estimer genre la route de repli. Et par exemple, ne pas faire certains tronçons de route en me disant bah c'est pas grave parce que de toute façon c'est un tronçon de route que je ferai en descendant. Et parce que la redescente, elle va être chaude. Hein. La redescente, elle va être compliquée. Hein. Parce que j'ai pas le blink. Donc je peux pas genre me jeter en blinkant pour aller je sais pas où. J'ai pas non plus de quoi me soigner, alors les dégâts de chute, ils vont faire mal. Hein. Ok. La statue. 4 et 5, le compte est bon. 4 et 5, le compte est bon. Lui, il est parfaitement bien placé. Mazette de mazette. Comme ça, je vais à l'entrée, je récupère tout. Pourquoi ? Je récupère l'œuf qui est là. Les autres. J'ai pas déjà récupéré. Ah non, j'ai même pas besoin. Oui, non, c'est ça. Je prends celui-là. À moi. Là. Là. Ici, parce que l'autre il vient pas par là. Ok, premier étage, clear. On a à peu près tout, à 2 pièces près. Is ok. Et là, on fait attention à pas faire péter les verres. Allez, viens là, mon mignon. Ça va bien se passer. Pas bien vu. Où il est l'autre? Le problème c'est que j'ai pas envie qu'il me voit. Alors est-ce qu'il est là? Il ne l'est pas. Je prends le risque. Je dirais bien que c'était calculé, mais c'est faux. Ah. Non mais j'ai besoin du code. Fais chier. J'ai besoin du code. Sinon, ah, c'était tellement gratuit, j'aurais tellement pu passer. J'ai besoin du code. Ok. Le code 5. Merde, c'est un 1 ou un 7 ça? Ah, c'est un 7. 5, 7, 1. 5, 7, 1. J'ai trop peur de passer par là. J'ai trop peur.
Hop là. Pas vu. Pas vu. Ok. Tac. Est-ce qu'il y a les pièces? Non. Oui. Ok. 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 Super. 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 5, 7, 1. Et on n'oublie pas de retourner le cendrier aussi. 5, 7, 1. Ok. Encore à la... Putain, il fait chier. Il fait chier. Putain. Je vais attendre ici. Je vais attendre ici. En espérant que lui ne me voit pas. On dirait que non. Ah bah non, mais il s'est peut-être arrêté dans l'escalier. C'est ça. Ouais. 5, 7, 1, les amis. Toujours moi qui m'y colle dans les mains. Je vérifie, je guigne. Ça existe peut-être pas chez vous comme mot, ça. Guigne. Guigner. Le verbe guigner. Mais sachez-le, je guigne. Je guigne la porte. Je me demande si on remarquerait son absence. C'est sûrement cher. Ok, 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 ok. Fais-moi signe si tu veux encore parier sur les chiens. Nouvelle nuit, nouvelle patrouille avec toi. Ok, je l'attente. J'attente. C'est peut-être mauvais plan, mais j'attente. J'ai bien guigné. Ok, 16 000. Super. Super, super. Et là, l'avantage... Putain, c'était quoi? 5, 7, 1, c'est ça? C'était quelque chose, 7, 1? Je crois que c'est 5, 7, 1. J'ai vu trop de codes, j'oublie. J'ai vu trop de codes, j'oublie. Je guigne. Là. Ok. J'essaie de pas rester en visu parce que j'ai peur qu'il me voit. Normalement, il me verra pas, mais. Ok. Ok, 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 ok. Mais ce bruit, je suis désolée, mais il me fait trop peur. Mais lui, il faut pas que j'oublie qu'il peut me voir à travers ça. Ok, 5, 7, 1, je crois. Bon, on saura qu'il sera toujours temps de venir chercher cette statue si ça manque. Ah oui, putain, le truc dans le secrétaire, j'ai oublié. Ah là, c'est vrai. 5, 7, 1. Ok ? Ok. Ok, ok.
Ok, 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 hop. Et là, ça fait 9. Il est où, lui? Je me demande si on remarquerait son absence. Bon, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok. J'y suis passé là ou pas? Non. J'avais voulu me faire le passage compliqué avant tout. Je l'avais prise celle-là. Non, celle-là, faut bien que je pense à la prendre. Ça fait 10 sur 16, il m'en manque 6. Je suis pas sûre que les 6 soient sur le même étage. Hein. À mon avis... mon avis est compliqué. Hein. À mon avis, c'est un peu chaud. Alors... Là, on va rigoler. Il y a lui, il y a lui. C'est dommage qu'on n'ait pas le compteur de BPM parce que là, ça doit pas être triste. Heureusement que l'ombre est glitchée. Ça me donne de bonnes indications. Ok. Il y a des roues là sur ça. Oh la saloperie. Il y en avait une là. Ok. C'est 11. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de foutre. Ce n'est peut-être pas si mauvais. Oh merde. L'autre qui rentre à ce moment-là. Ah! Ah. Il est tellement lent en plus. Ah non, il a rien sur lui. Il a rien sur lui. Ok. Dans toutes les stats, toutes les... Je sais pas, j'ai chopé la clé de quoi, mais ok. Ok. Ah, mais le truc, c'est que là, je suis pas si bien cachée que ça, hein, les copains. Je vais être sympa, mais je suis pas si bien cachée de ça, hein. Ok, 5 sur 6. Superbe. Là, il y en avait une ici. 12 sur 16, je crois que je sais où il y en a une. De... Quoi? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon truc qui fait planter depuis le début, en fait. Ouh, ça va. Ça va, il s'est mis en pause et ça, c'était gentil. Ok. Statue de poisson. Salut Loud. Comment vas-tu? Moi je suis un peu en stress là. Je suis un peu en stress mais ça va, Imhotep. Alors. On va essayer de faire le point, on va essayer de voir ce que font les gens. Combien je suis de points? J'ai pas vu. C'est juste pour voir. Ok. 27 000, allez, 700, on va arrondir. Ok, lui il s'en va. Et potentiellement, il y en a un autre qui va rentrer. J'ai entendu une porte. À
Ah, lui, il est ressorti. Et lui, il sort. Ok. Je pars du principe que c'est ok. Ok ? Bon, lui, il a rien sur lui. On va lui foutre la paix. J'ai utilisé la clé. Il faut sortir ça, récupérer l'autre clé. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai les 30 000 ? Oh, j'ai pas les 30 000. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, il me manque quand même 1000 points que j'ai pas ramassés. Ah, il doit y avoir un tableau. J'ai mangé de la tarte aux pommes. Une amie que j'ai pas vue depuis un bail est venue. C'est quoi l'objectif en cours ? Alors, l'objectif en cours, c'est de terminer ce niveau sans me faire repérer. Enfin, du moins, j'ai le droit à me faire repérer deux fois, et à la troisième fois, c'est foutu. Et il faut que je ramène un score de 30 000. Sachant que là, du coup, je suis à, en gros, 28 000, c'est ça ? Mais là, je pense que je vais pouvoir peut-être commencer à assommer des gens, en vrai. Et dans la foulée, je cherche aussi différentes statuettes. Et j'en ai trouvé un bon bout, mais il m'en manque quelques-unes, quand même. Alors... Je vais regarder lui. Je vais essayer d'être attentive au bruit de la porte. Je sais pas ce que je fais, hein, là. Assommer un là parce que faut que j'en assomme un, faut que je fasse quelque chose. Hein. Faut que j'en assomme un là, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix, si j'ai le choix, mais. Alors en fait, c'est pour deux succès techniquement. Il y a le succès d'avoir les trois étoiles partout, et du coup, pour ça, il faut que j'ai les 30 000 points. Dans un second temps, il y a un succès pour ce défi parce que t'en as un par défi. Et le succès en question, c'est avoir toutes les statuettes qui sont bien évidemment très mal indiquées. Regarde s'il n'y a pas des tiroirs, des, je sais pas, des trucs, des machins. Je vais essayer de lui... Ah putain, oui. Oui. Enfin, oui, oui et non. Oui et non, parce que... Ouais, voilà. Attends, j'ai vu quelque chose, là. Bon, j'ai peut-être pas vu quelque chose. C'est quoi, ça ? Merde. Il m'a vu à deux éclairs. Il m'a vu à deux éclairs. Mais ça va. Par contre, l'autre, je pense qu'il a fini de louper. Là, ça fait 13. Putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là là. C'est la grosse de mer. Bon, j'ai 30 000 points. Bah, vous savez quoi, j'ai 30 000 points, je m'en vais, hein, non ? Et maintenant ? Ah, à mon avis, mauvais plan là. À mon avis, plan cul. Il est malin. Regarde partout. À mon avis, plan cul. À mon avis, plan cul. Mais si j'arrive à ressortir, c'est ok. Maintenant, évasion.
Et maintenant, évasion. Et je valide mon tour. Et je referai un loop pour les statuettes qui manquent, parce qu'il est hors de question que je refasse ça. C'est trop chiant. Ah, ça saute là ou pas? Ouais, ça saute. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas mes pouvoirs, non. Effectivement, dans ce mode-là, en difficile, j'ai pas le droit au pouvoir. Tu me fais peur à sauter en étant accroupi. Oui, mais si je me fais voir, c'est niqué. Ok. C'est pas grave, j'ai eu les 3 étoiles, c'est l'essentiel. Ouh. J'ai eu les 3 étoiles, c'est l'essentiel, je suis contente. Ça me fait plaisir, c'est parfait. C'est le GG, et c'est parti, je rejoue le défi pour les statuettes.